et je ne ressens pas que de toi qu'un jour ça s'arrête. C'est pourquoi tout au long de la nuit, même en hiver, dans ce lieu de folie, il convient quand le passé s'enfuit au fil des rêves, plus rien n'est interdit. Elle est venue me voir un jour à la fin d'un spectacle, c'est dans les Vosges d'ailleurs, il y a quelques années déjà. Elle me dit: je vous félicite parce que grâce à vous monsieur, j'ai appris quelque chose ce soir. Je dis: ah bon? Elle me dit: oui, je ne savais pas qu'un homme pouvait faire plusieurs choses en même temps. Alors j'étais un peu bloqué, je ne savais pas trop quoi répondre. Elle me regardait avec des grands yeux et là, de surenchérir, elle me fait: mais comment faites-vous? Alors je lui dis: écoutez madame, je pense que je vais vous décevoir un peu. Je ne suis pas l'homme parfait, c'est simplement mon côté féminin qui s'exprime. Un regard dans les yeux ouverts sur tes sentiments, même en cachant tous mes repères en souriant. Même avec les poches d'un milliard, je ne serai jamais, je ne serai jamais tel qu'on le voudrait. Je ne serai jamais tel que ma mère disait. Je ne serai jamais, 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 jamais parfait. Pourquoi ce voyage ne serait-ce qu'un passage? Et si tout n'était qu'illusion? Et jusqu'au bout de nos croyances, munis d'une réelle innocence, on imaginera sans compter le scénario de notre après. Après-demain, après-demain, et quels en seront les parfums qui feront briller chaque instant à coups de rire, à coups de sang, de sang, à coups de sang qui ment, à coups de sang. Et on sera tous, et je vous souhaite, messieurs, dames, d'être tous heureux. Garçons, et on parlait un peu de nos vies privées. Il y en a un qui avait des petits soucis avec sa femme, alors à un moment donné, je lui dis: bah oui, mais tu dis que ça va plus, tu dis que ça va plus, mais je dis: est-ce que t'as au moins encore des preuves d'amour? Alors il me dit: bah t'es malin, toi, c'est quoi une preuve d'amour? Et là, pour l'aider, mais avec la plus grande spontanéité possible, je lui dis: quand tu enfermes ton chien pendant une heure dans le coffre de la voiture, lorsque tu ouvres le coffre, il est content de te voir. Ça, c'est une preuve d'amour. Et puis, bon, ben voilà, la tablée a rigolé un peu comme vous le faites, et puis on est passé à autre chose. Et 3 jours après, je le recroise, je dis: alors, ça s'arrange? Elle me dit: non, elle s'est barrée, elle est sortie du coffre très énervée. J'attends son retour. J'attends son retour. Oh, 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 oh.
derrière l'oracle pour de nouveaux lendemains. Je dessinais sur mon visage l'envie de faire du chemin. Merci beaucoup. Monsieur François Delour.